Et bonjour les amis. Alors, je sais absolument pas du tout ce que ça va rendre à la caméra. Je suis désolée, c'est la première fois que je fais ça, c'est la première fois que je vais vous filmer ça aussi. Aujourd'hui, on va partir sur une sorte de vlog. Voilà. J'espère aussi que le son sera bon, sinon je passerai en post-prod. On va partir sur un vlog. On est actuellement dans ma cuisine. C'est absolument pas du tout le lieu pour faire ce genre de choses. Mais qu'importe, je me suis installée là parce que il y a quelques jours, il y a quelques semaines, j'ai découvert ceci. Alors ça, c'est une boîte. Ils appellent ça des jeux. On va en reparler parce que pour moi, c'est pas un jeu. Par contre, les histoires de science et jeux, ça date pas d'hier. Hein. Ça fait un moment que ça existe. On retrouve du coup tous les produits, on va appeler ça comme ça, les jeux où on peut du coup apprendre un petit peu la science et autres. C'est pas forcément des choses qui sont à la portée de tous les enfants, et surtout c'est souvent des projets qu'il faut les parents à côté hein, pour se mettre là. Et j'ai découvert du coup cette petite espèce, donc ça c'est un triops et c'est trop mignon et j'ai craqué. Alors il y a plein de petits animaux comme ça, notamment tous les artémias, ils appellent ça les aquadragons et les sea monkeys, ça s'appelle des artémias en français. Ça c'est un triops, ça n'a rien à voir, donc c'est les trois espèces que j'ai pu découvrir dans ce type de jeu. Et les triops du coup, ça s'appelle ça aussi un crabe d'eau douce. C'est un mélange en fait entre un crabe et une crevette, c'est donc un crustacé, hein, ça fait la même partie de la même catégorie que les crabes et les crevettes, donc c'est une carapace chitineuse. C'est tout petit, et ça a plein de petites pattes en dessous, vous voyez, bon c'est un massif paire de pattes, hein, comme les insectes. Et surtout ça a des besoins un petit peu spécifiques. Et j'ai trouvé ça du coup à, je sais plus, un jeu, enfin un magasin de jeux. Il y avait aussi sur Amazon, j'aurais pu prendre un kit sur Amazon, bref, peu importe. Je suis partie là-dessus, et il y a quelque chose que je vous ai jamais dit les amis, c'est que depuis j'ai 4-5 ans à peu près quelque chose comme ça, un truc que j'apprécie autant que les jeux vidéo si ce n'est plus, c'est l'aquariophilie. Je suis complètement aquariophile, j'adore les poissons et tout, et ça fait près de 10 ans que j'ai pas eu de poisson. Donc j'ai récupéré cette cuve, c'est une vieille cuve que j'ai depuis, ça fait 10-20 ans, hein. C'est une cuve qui fait 30 litres, donc elle est pas forcément extrêmement grande, mais elle va leur convenir parfaitement bien. J'aurais préféré avoir une cuve, vous voyez, qui soit plus large et plus basse, mais plus large. Mais bon, j'avais que ça. Donc pour le moment, ça va être là-dessus. Ces animaux, ils ont des spécificités un petit peu particulières. Ce que l'on a là, je crois que ça s'appelle des longitucardus, je sais pas trop quoi. C'est pas écrit sur la boîte exactement l'espèce, mais quand je la vois, c'est ce que je pense. C'est à trois yeux. Ceux qui ont trois yeux, vous voyez ici, ça a trois paires d'yeux. Vous avez des triops qui ont deux paires d'yeux. Les triops qui ont trois paires d'yeux comme ça sont connus pour être plus cannibales. Et surtout, c'est là qu'ils sont un petit peu rouges. Ils ont besoin d'une température moyenne de 26 degrés, donc entre 24 et 28 degrés. Donc je vais leur faire un aquarium adapté. Je vais leur faire un aquarium qui sera à 26 degrés. Je pense que ça ira très bien. Et alors ça sera pas pour aujourd'hui, parce qu'on va d'abord préparer leur habitacle, hein, avant de commencer à partir sur tout simplement l'éclosion. Et ça, on fera une autre vidéo, du coup, si ça vous plaît, on fera une petite vidéo pour eux. On va partir du coup sur l'aquarium. Donc j'ai reçu aujourd'hui, j'ai commandé sur un site qui s'appelle Aquaplante. C'est un site, il me semble, français, qui ont toute leur culture de plantes aquatiques au Danemark. Mais ils font pas que des plantes, ils font aussi des poissons. Je pense que je leur commanderai aussi les poissons. Je leur ai commandé plein de choses. Et en fait, ils ont des plantes, les amis, mais elles sont magnifiques. Elles sont incroyables, il y a un choix qui est phénoménal de plantes. Et la plupart, honnêtement, attendez, je vais voir ma facture... J'en ai eu pour bonbons, franchement, c'est trop génial parce qu'on peut payer en trois fois avec des frais qui sont très minimes. Donc j'en ai eu, la moins chère m'a coûté 2,39€. La plupart sont aux alentours de 2,50€, non 2,35€, j'en ai eu une à 2,35€. Et la plus chère m'a coûté 4,98€. Voilà, ça peut vous donner un ordre d'idée. Avant d'acheter chez eux, je suis allée dans une jardinerie, je suis allée à Jardiland pour être plus précis. Ils avaient des plantes, alors ils n'avaient pas énormément de choix de plantes, forcément quand on va en jardinerie, ils sont souvent limités dans les plantes. Là, l'avantage du site internet, c'est que j'ai pu voir exactement ce que j'achetais, le nom des plantes, les besoins des plantes, puisque les plantes ont des besoins en termes de température, il y en a qui supportent pas les aquariums à 26 degrés, ce que je voulais du coup. Surtout, elles ont des besoins en CO2. Il y a des plantes sans un apport en CO2, vous n'allez pas les faire grandir, elles vont dépérir. Et elles ont des problématiques aussi en termes de pH, puisqu'on est dans de l'eau. Là, moi, je vais avoir une eau qui va être à environ à 6,5, entre 6,5 et 7 de pH. C'est ce qu'il faut pour les triops. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'obtenir.
Et du coup, toutes ces plantes, la plupart sont des plantes qui sont soit très faciles à obtenir, enfin à faire pousser, soit des plantes qui ont les métriques nécessaires, enfin dont l'aquarium que je veux obtenir va avoir les métriques nécessaires pour les faire pousser, même si elles sont un peu plus compliquées pour le développement. Donc voilà, c'est toutes mes plantes et j'ai acheté aussi un autre truc. Alors attendez, hop, j'essaye de l'attraper. Hop. Voilà, j'ai acheté ça. C'est un substrat, ça s'appelle, alors c'est la marque Tropica, Substrate Nutrition for Aquariums. Et on nous explique, un concentré à utiliser avec du gravier lors de l'aménagement de l'aquarium assure la croissance saine et durable. Et sur les sites, ils précisaient qu'en fait, ça, il fallait normalement le changer tous les 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça. Il y a 2,5 litres, ça coûtait 10,99 €. C'était le plus petit conteneur. Honnêtement, j'aurais voulu quelque chose de plus petit parce que mon aquarium, vous avez vu, fait quand même 30 litres. C'est pas petit, mais il a une surface au sol qui est plus petite que la hauteur. La hauteur, je sais pas si je vous ai fait un grand plan de l'aquarium, mais j'ai un petit peu du mal à vous faire un grand plan de l'aquarium, les amis. Mais en gros, vous avez l'idée ici. Donc ça, en gros, on vous explique qu'il faut le mettre sous le sable. Que je vais avoir du sable. Hop. Voilà, ça c'est le sable que j'avais à l'origine dans cet aquarium. Cet aquarium, j'avais à l'origine des petites crevettes, des red cherry. Et du coup, c'est un sable normalement qui est adapté. Je sais pas si vous voyez, il est tout petit, il est tout fin. Alors aujourd'hui, honnêtement, je partirais pas sur ce genre de sable si je devais en racheter. Je vais pas en racheter parce que j'en ai déjà et que ça coûte bonbon. C'est du quartz. C'est un sable noir, hein, naturellement. C'est pas du tout un sable qui a été peint. C'est un quartz noir. Le problème de ces quartz, vous voyez, c'est qu'ils ont des petits côtés un petit peu tranchants. C'est un petit peu dommage. Mais bon, moi, mes crevettes, elles s'y plaisaient. Donc je vois pas pourquoi les triops ne s'y plaiseraient pas. Et les poissons, de toute façon, ils vont s'en ficher complètement. Ils sont pas sur le sable. Donc en gros, ce substrat, on va le mettre dans le fond de l'aquarium. Ici, on va mettre à peu près 1 cm, ils expliquaient. C'est un mélange d'argile et de silicate, il me semble. Donc l'argile, ben, c'est un des composants de la terre. Vous savez, la terre, c'est composé d'argile, de sable et de limon. Les limons, c'est ce qui reste quand le monde animal et végétal de l'océan se décompose, s'est décomposé et qu'il reste plus grand chose à obtenir. C'est le minéral en fait qui est contenu dans nous les êtres vivants, qui va se déposer au fond. Donc voilà, vous avez compris que le limon, c'est un petit peu préhistorique comme truc, mais voilà, le mélange de la terre, c'est du sable, de l'argile et du limon, et là-dedans du coup on a de l'argile, donc ça va apporter une petite structure au niveau du fond du bac dans lequel les plantes vont pouvoir s'enraciner plus bien mieux que juste dans le sable, même si juste dans le sable ça fonctionne très bien. Honnêtement, pendant, j'ai eu des aquariums pendant près de 20 ans et ça a toujours très bien fonctionné dans le sable. Mais là, ça va les aider. Et en plus, il y a du silicate. Du coup, ça, c'est une roche, c'est un minéral, du coup, qui va venir nourrir les plantes. Et en plus, fun fact, mon eau chez moi est une eau qui est relativement basique. Donc, à un pH à plus de 7, je pense. Je ne l'ai pas testé. J'attends les testeurs. Ils arrivent après-demain. Mais je sais que j'ai une eau qui est basique. C'est obligé. Je vis tout le calcaire que je me tape. Donc ça va me permettre d'acidifier le sol. Et d'ailleurs, ce quartz noir, normalement, est connu aussi pour être un acidifiant naturel. Donc voilà, on va essayer. Je vais commencer déjà par mettre ça du coup dans mon aquarium. L'aquarium a été lavé, je l'ai lavé plusieurs fois avec du vinaigre de vin blanc et du coup je vais mettre le substrat et on se retrouve. Ok, bon, j'essaie de vous faire un angle pour que vous puissiez voir. Je suis désolée, je suis extrêmement mauvaise pour filmer. J'espère que qu'est-ce qu'elle a la mine de là ? Attendez. Donc. Je vous disais quoi ? Oui, que je suis extrêmement mauvaise les amis pour filmer, je suis vraiment désolée, je filme avec mon téléphone, je sais pas du tout ce que ça va rendre, j'espère que ça va rendre bien. Donc ils disaient pour ce fameux substrate, hein, ce fameux truc, ils expliquaient qu'il fallait pas le laver, qu'il fallait le mettre directement en dessous, en couche fine d'environ 1 cm. Donc c'est ce que je vais faire, on va voir ce que ça va donner. Ok. Ouf, ça fait de la poussière. Ok. Bon, je sais pas si ça rend bien en vrai. Ok, j'ai essayé de le décaler autant que possible de la vitre pour pas qu'on le voit. Maintenant, ce que je vais faire, je sais plus s'il disait de verser le sable de suite dessus ou de l'humidifier. On va verser le sable. Je vais juste me rincer les mains avant.
Donc, on va verser le sable. Je vais y aller franco, je vais pas vous mentir. Je vais pas forcément mettre tout le sable, je vais mettre une couche fine. Ah. Mince, il y a de l'eau dans le sable. Ah. Juste. C'est pas grave, hein. De toute façon, c'est un aquarium, il est censé y avoir de l'eau, c'est juste que c'est pas forcément de l'eau extraordinaire. Je vais faire ça comme ça. Allez, c'est parti. On met donc un outil. Je vais utiliser un verre. Hop là. J'ai essayé d'étaler un petit peu tout. Voilà. Donc on a quelque chose qui est à peu près étalé. C'est pas fini. J'ai cette. Alors c'est une fausse racine. Je vais vous montrer. Voilà, c'est une fausse racine. Attends, je vous prends avec moi les amis. C'est une fausse racine en fait, c'est de la céramique et c'est une vieille céramique que j'avais dans un grand aquarium que j'avais quand j'étais plus jeune. Du coup elle a un petit peu morflé. On a un prout ici qui veut dire bonjour. Bonjour Prunelle. Bonjour petit bébé. Ouais, oui, oui, t'es un bébé. Donc c'est une fausse racine en céramique. L'avantage c'est que c'est un lieu de filtration incroyable pour les bactéries. Et en fait ici vous voyez une petite cavité. Et là aussi, hop, donc la cavité rejoint ici et elle va jusqu'ici. Et ça, tous les poissons laveurs de vitres, hein, quels qu'ils soient, pour peu qu'ils soient des petits bien sûr, ils adorent se mettre là-dedans. Si vous avez des poissons qui sont dans le fond, par exemple des kilis, des corydoras, des trucs comme ça, ils adorent se mettre là-dedans aussi, s'y cacher. Et ça va me permettre de faire un petit relief dans mon aquarium. Alors le problème c'est que j'aurais bien aimé le mettre comme ça, mais vous voyez ici... C'est cassé ici. Et c'est cassé juste ici aussi. Donc je sais pas trop comment je vais tourner. Je vais peut-être la tourner dans l'autre sens pour pas qu'on voit ça depuis le devant. Peut-être comme ça, c'est un petit peu moins joli. Mais je vais voir ce que j'en fais et je vais la positionner avant de finir de mettre le sable. Ok, comme ça, ça me plaît. Franchement, je trouve ça très joli comme ça. Alors forcément... C'est fait pour un aquarium grand, hein. C'était dans un 150 litres pour ceux qui se posent la question, donc c'est fait pour un aquarium beaucoup plus grand que ça. Ça fait juste la largeur, mais c'est mes parents qui l'avaient encore cette racine, ils voulaient la jeter, donc je l'ai récupérée. Alors ça sera pas forcément un aquarium hyper artscaping, là, comme ils aiment bien faire maintenant, je trouve ça super joli, tout ce qui est aquascaping, etc. Mais bon, moi je fais à l'ancienne, hein, avec ce que j'ai surtout, parce que ça coûte bonbon un aquarium, donc on l'améliorera avec le temps. Mais en pour le moment, on va partir là-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit... je vais mettre du coup le sable qui reste, je vais essayer de cacher avec le sable les bouts d'argile qui sont de... D'argile, n'importe quoi, de céramique, qui sont abîmés, histoire que ça ne se voit pas trop. Bon, j'ai réussi à la placer, j'ai mis un petit peu plus du coup du sable dans le fond, je sais pas si ça se voit bien le dégradé, j'ai mis un petit peu plus de sable dans le fond, j'ai caché ici la misère juste ici comme j'ai pu, là j'ai essayé de creuser un petit peu pour que les poissons puissent aller se mettre en dessous et j'ai remis ici pour cacher en fait le début, normalement les poissons peuvent rentrer juste par ici, allez fais le focus s'il te plaît, pas sur mon doigt. Voilà, ils peuvent rentrer normalement sans trop de soucis. Voilà, par au-dessus, ce que ça donne, sans le reflet, bien sûr, ça sera toujours mieux. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre un petit peu d'eau dans le fond. Et ensuite, on va passer à la plantation. Alors, quelque chose qui est important, c'est les plantes aquatiques, elles ont besoin d'eau, elles ont besoin d'humidité. Donc, au cours de la plantation, elles peuvent souffrir, en fait, d'un assèchement, on va dire, qui peut leur être fatal. Alors, j'ai pas forcément pris des plantes qui sont extrêmement sensibles, mais elles ont été emballées, je crois, hier. Elles sont arrivées, en vrai, elles sont arrivées aujourd'hui. Elles étaient censées arriver demain, mes plantes. Donc, je suis super contente. Je suis allée les chercher en point relais. La livraison était gratuite au-dessus de 50 €. J'en ai eu pile pour 50 €. Le sable m'a coûté cher, hein, mais bon. Voilà.
Donc, je vais commencer à déballer tout ça. Je vais mettre un petit peu d'eau dans le fond de mon aquarium. Et on se retrouve. C'est parti. Allez, c'est parti. On va essayer de mettre un petit peu d'eau, du coup, dans le bac, histoire de pouvoir aplanir le sable et que les plantes aient un petit peu d'humidité. Hop. Alors, je vise la racine hein, pour éviter d'en foutre partout du sable. Vous pouvez mettre aussi une petite assiette. Ça marche bien. Il y a de l'eau partout sur les vitres. Et je vous retrouve les amis, ça fait un petit moment du coup que je travaille à préparer notre petit aquarium. Donc la chose que je ne vous ai pas précisé, c'est qu'en fait j'ai acheté un équipement pour cet aquarium. J'ai acheté une pompe, un chauffe-eau et j'ai aussi acheté une lampe. Le problème c'est que ça n'arrive que dans 2 jours. Hein. Les plantes sont arrivées un petit peu en avance et j'ai fait ma commande du matériel un petit peu trop tard. Donc, je vous ai mis un petit peu de lumière sur le côté avec la petite lumière de l'aquarium que je vais changer dès que j'aurai la rampe, parce qu'elle est clairement pas assez puissante. Mais on va faire à l'ancienne. Donc, qu'est-ce que j'ai déjà? J'ai ceci. Voilà, un magnifique pchit-pchit qui est rempli avec de l'eau. C'est de l'eau du robinet filtrée. C'est filtré pas avec une carafe Berta, hein, c'est filtré avec... ma filtreuse British Birkenfeld, hein, c'est une très grosse filtreuse. Et l'avantage, c'est que ça enlève les microparticules. C'est filtré depuis un petit moment. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai chauffé ma pièce. Elle est actuellement à 20,7. Je crève de chaud. Je chauffe jamais autant ma maison. Normalement, elle est à 18, ma maison. Je crève de chaud, je vous jure. Mais cette eau, ça fait un moment que je l'ai. Donc elle est à température ambiante de la pièce. Donc à plus de 20 degrés, c'est important pour les plantes. Donc j'ai hâte que le chauffage arrive pour pouvoir baisser mon radiateur, voire même l'arrêter. Mais ça, ce pchit, ça va me permettre, vous voyez, de pchit les plantes pendant que je vais tout planter, parce que ça va prendre un petit moment et je veux pas qu'elles se dessèchent. Donc, on a les 4 premières plantes que l'on va planter. Ça va être donc du coup déjà celle-ci. Je la trouve magnifique. Ça s'appelle... la Ludwigia palustris red bunch. C'est une plante qui monte et qui a des feuilles qui sont magnifiques. Regardez comment elles sont belles. On a juste ici, celle-là, elle est encore plus belle, je trouve. Elle a des petites feuilles en forme de cœur, littéralement. Je la trouve magnifique. Celle-là, j'ai failli pas la prendre, mais non, elle est trop jolie. Celle-ci, elle s'appelle la Lysimachia numularia aura bunch. Je suis désolée, hein, je suis pas... J'adore les plantes, j'adore les observer, j'adore les planter, j'adore les repiquer et tout ça. Les noms, c'est pas mon truc, que ce soit pour les plantes comme les personnes ou tout ça. J'ai du mal à retenir les prénoms. D'ailleurs, ça m'a fait bizarre quand j'ai regardé dernièrement une vidéo de DTC dans ton corps, qui est une chaîne que j'adore. Et le monsieur, du coup, qui est un infirmier, acteur très connu... avait invité des gens pour parler de leur pathologie. Il avait invité une personne pour parler d'une de ses pathologies. C'était une pathologie où la personne ne reconnaissait pas les visages. Et elle expliquait que les gens lui en voulaient, qu'elle n'arrive pas à reconnaître les visages. Et il se trouve que quand elle parlait, moi, ça m'a de suite touchée parce que j'ai du mal, moi, à retenir les noms. Voilà. Et c'est des fois, je les retiens, mais genre, je les retiens jamais très longtemps. Donc voilà, bon, bref. Du coup, les noms des plantes, je les ai sous les yeux, sinon je peux pas vous les dire. Ça là, ça a été mon premier coup de cœur. C'est une plante, regardez, qui a une tige, enfin une feuille qui est toute ronde, dentelée. Et la tige est très fine et elle est censée faire... Enfin, moi j'ai l'impression de voir une petite broderie. Vous voyez ici, je sais pas si vous le voyez, mais juste là, il y a des petites racines. En fait, la plante racine dans sa hauteur. Donc ça c'est trop bien, on peut la faire grimper si... enfin on veut la faire ramper si on veut. Moi je vais la faire grimper. Ça s'appelle une Cardamine lyrata. Voilà. Et la troisième plante qui va monter, donc ce sont les plantes qu'on va mettre derrière. Celle-ci c'est une de mes favorites. C'est une plante que j'avais déjà avant. J'avais pas cette variété là en particulier. C'est une bacopa. C'est une plante, vous voyez, qui a des petites
des petites feuilles de part et d'autre ici, légèrement ovales, que je trouve super jolie. Elle est très robuste, la tige, et elle monte tout droit, celle-là. C'est une bacopa, celle-là, en plexicolis. Voilà. Donc, en dessous, j'ai un petit pot ici, avec du perlon. C'est du coton, en quelque sorte, d'origine très certainement pétrochimique. Je ne sais pas trop d'où ça vient, le perlon. Si jamais vous savez, dites-le moi dans les commentaires. Il doit y avoir un mélange de sable, de plein de merdasses là-dedans. Donc ça, je vais enlever le pot, je vais libérer les racines. J'en ai ici. Celles-là, elles n'étaient pas très chères. Ce sont celles qui ne sont pas du tout chères. Elles sont sans pot. Et c'est des boutures, en fait, qui viennent d'être faites. Il y a les racines ici, donc ça, c'est trop génial. Et celle-ci, c'est pareil. Vous voyez, là, il n'y a pas de pot. Il n'y a pas les racines, par contre. Donc celle-là, elle pourrait ne pas partir. Voilà. Bon, vous voyez, il y a encore de l'humidité dans le paquet. Je vous rappelle qu'elle était censée arriver que demain. Et elle est arrivée beaucoup plus vite. Elle est arrivée en moins de 2 jours. Mais je trouve qu'ils n'ont pas mis quand même beaucoup d'eau pour une plante qui vient juste d'être découpée. Elle a été découpée fraîchement au Danemark. Mais bon. Je vais ouvrir les paquets. Je vais laver tout ça. Donc je vais laver toutes les plantes avec de l'eau à température ambiante pour ne pas leur faire un choc thermique. Et surtout avec mon eau filtrée, hein. Je ne vais pas utiliser l'eau du robinet qui est chlorée. Celle-là, par exemple, plante fait partie des plantes qui sont un peu moins robustes par rapport aux autres. Si je lui mets du chlore dessus, vu qu'en plus elle n'a pas les racines, elle risque de prendre cher. Donc elle a un petit peu perdu quelques feuilles, mais honnêtement elle est magnifique, celle-là, elle est bien enracinée, donc il n'y aura pas de soucis. Je vais essayer d'enlever, regardez, elle commence à faire son petit chignon. C'est parfait, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime, à plat. Donc je retire le petit pot que je vais garder précieusement et je vais enlever. Alors ça c'est, franchement c'est un coton, si vous n'avez jamais touché, c'est pas agréable du tout à toucher. C'est râpeux, c'est rugueux. Si jamais vous prévoyez d'avoir dans votre aquarium, je sais qu'il y a des gens qui ne les retirent pas parce qu'ils ont la flemme, mais si vous prévoyez d'avoir dans votre aquarium des petits crustacés, notamment des crevettes fragiles, retirez ça parce que je pense qu'elles peuvent vraiment se blesser là-dedans. Et puis même, les plantes, elles n'en ont pas besoin. Donc je retire ce que je peux. Hop là. Voilà. Hop. Voilà, j'ai bien assez stressé la plante comme ça, ça va partir direct à la poubelle. Dans le petit sachet en plastique, tiens. Genre, honnêtement, je pense pas que ça se recycle et je pense pas que ça se décompose, que ça se composte. Pour ça, je le mets directement à la poubelle, sinon je l'aurais mis dans mon composteur. Hop, on va mettre dans le fond, j'ai pas prévu, un petit peu d'eau. J'ai vérifié que c'était bien mon eau filtrée et non pas mon eau minérale. Alors, on va mettre de l'eau. Hop. Je vais pas en mettre beaucoup de l'eau hein, parce que je veux pas non plus. Hop. C'est pris dans mes ciseaux. Hop là, voilà. On va la mettre les pieds dans l'eau. La tête, celle-là, elle a pas forcément besoin d'être dans l'eau. Je vais juste pchiter vite fait. Voilà, je l'ai pchité hors caméra, je suis désolée parce que je voulais pas mettre de l'eau partout. Je vais faire la même chose pour toutes les plantes, pour les 4 que je vous ai montrées. On se retrouve les amis.
du coup, j'ai déballé les quatre plantes. Vous les voyez ici, du coup, la fameuse La Bacopa, hein, celle qui est très facile à reconnaître. La, la cardamine, cardamine, hein, oui, c'est ça. La fameuse Ludwiga palustris redbunch. Et l'autre fameuse Lysimachia numularia aura bunch. Voilà, donc je vais déjà les placer petit à petit dans... je les ai tous petites, hein, je vais les placer déjà dans l'aquarium. Et on va essayer de les mettre comme il faut. Donc j'avais dans une idée de mettre, ici vous voyez, de faire une sorte de... Je sais pas comment dire, mais un gros... un endroit où il y avait beaucoup beaucoup de plantes. Et de ce côté-là, des plantes peut-être plus clairsemées. Donc je vais essayer de faire ça comme ça. Donc ça ici, on en a une qui va vraiment beaucoup prendre de plat. Celle-là, elle est très clairsemée, donc on comprend que celle-là va être par ici et l'autre va être par là-bas. Et ici, celle-là m'a l'air plus moins clairsemée que celle-ci. Donc à savoir, est-ce que je mets celle en première devant celle-là? Je sais pas. On va voir. Je vous pose, les amis. Hop là. Je vais définitivement mettre la raide au fond. Je vais essayer de vous rapprocher, mais... Désolée, j'ai rien pour filmer, je vous ai mis sur, sur une boîte de sucre. J'essaye de prendre les plantes une par une. Donc celles-là, elles sont, ce sont celles qui n'ont pas de racines. Donc il n'y a pas de souci, hein, les plantes aquatiques se repiquent très très bien dans ce genre de circonstances. Hop là, je vais juste essayer de faire en sorte de bien les mettre comme il faut, qu'elles aient quand même de l'espace pour se développer. Les plantes comme ça qui sont rouges, elles sont moins faciles à maintenir que les plantes qui sont vertes. Il y en a, la plupart ont besoin de moins de lumière. Et il y en a qui au contraire ont besoin de plus de lumière ou de plus de CO2. Donc à voir. J'espère que celle-là va vraiment tenir en vrai. Comme j'en ai quand même qui est relativement haut, je voulais des plantes qui soient aussi relativement hautes. Pour quand même bien habiller, hein. Je veux des endroits où les poissons et les triops vont pouvoir se cacher. Voilà, parfait, ça me plaît vraiment. Je vais mettre du coup les fameuses, c'est vraiment mon coup de... c'est un de mes deux coups de cœur, la fameuse cardamine. Hop là, donc elle était dans un pot, vous la voyez pas encore. Elle était dans un pot, du coup, elle a les racines qui sont un petit peu prises. Je vais juste essayer de les séparer un tout petit peu. Je pense que je vais la planter en bûche. Je vais tout planter ensemble, quoi. Les racines, elles sont très fines. Je pense pas qu'elles se fassent de l'ombre. Je vais la planter juste là devant. Alors, les aquariophiles d'aujourd'hui ont des pinces. Je vois pas trop ce que je fais. Ils ont des pinces aujourd'hui pour faire ça. À l'époque, dans les années 90, on n'avait pas ça. On se démerdait très bien avec. Mais c'est vrai que j'ai hésité à m'en prendre une pince. Ça m'a l'air quand même franchement pratique. Je vais juste remettre un petit peu de sable là derrière. Parce que je ne suis pas sûre de bien l'avoir enterré. Hop. Je fais ce que je peux. Celle-là, elle a tendance, elle est en train de tomber. C'est normal, hein, il n'y a pas d'eau. C'est pas grave, on va la laisser tomber. Imaginez qu'elle va monter. De toute façon, vous la verrez tout à l'heure. Je vous mettrai forcément là, quand même tout planté. Ok, on passe à la suite. La fameuse plante que je vous disais qui a une forme de cœur. La Lysimachia numularia. Franchement, numularia, je pense que c'est parce qu'elle ressemble vraiment à un nénuphar. Hein. Nénuphar connu, du coup, pour avoir cette forme de cœur. Qu'est-ce que vous, vous? Sérieusement, vous ne facilitez pas la vie. Celle-là, j'ai envie de la planter vraiment dans le fond. Je vais la repiquer petit à petit. Alors, je vous ai dit que cet endroit-là, je le voulais vraiment très peuplé en plantes. Hein. J'essaie de le planter derrière la fameuse racine. Voilà, alors, j'ai tout planté. Hop, vous voyez, ici, j'ai planté vraiment en ligne. Vous ne le voyez pas parce qu'en fait, elles sont littéralement contre la vitre, mais elles sont vraiment plantées en ligne. Et il nous reste du coup la dernière, la Bacopa. La Bacopa que je vous ai dit qui était du coup des plantes
Ça pousse un peu moins vite que tout ça, les bacopas. Franchement, ils disent sur le site que ça pousse vite. Je suis pas d'accord. Ça pousse pas très vite, les bacopas. Par contre, une fois que ça a pris, ça tient super bien. C'est pas forcément les plantes les plus difficiles à faire tenir. Elles ont un feuillage qui ont des feuilles assez... Je suis désolée, je vous pousse. Je vous pousse, attendez. Je vais vous mettre au meilleur endroit pour pouvoir voir ça. Hop là, voilà. Elles ont des feuilles qui sont assez solides. Du coup, si vous avez des poissons qui ont tendance à manger les feuilles, vous pouvez essayer, franchement. Ça coûte pas grand-chose, la bacopa. Elle m'a coûté celle-là 2,39€. Voilà. Et elle était en pot, comme vous avez vu. En général, 2,39€ sur... Le site sur lequel j'ai acheté, c'est les plantes qui sont, comme vous avez vu, là, les boutures. Mais celle-là, c'était une plante en pot, donc qui est racinée. Donc vous êtes quasiment sûr qu'elle va tenir le coup, quoi. Hop. 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 Elle ne veut pas se... Je la déterre quand j'enterre les autres, celle-là. Hop là. Je les ai divisées. J'ai divisé un petit peu le pied. Parce que c'est une plante qui aime faire des racines, par contre. Elle va pas supporter d'être dans la mélasse qu'il y a de l'autre côté. Elle aime faire des racines, elle a besoin de place. Donc voilà, je vais lui réserver ce petit endroit ici pour elle. Si tous les pieds prennent pas, c'est pas grave. Voilà, s'il en reste un ou deux, c'est pas grave. Ça repartira plus tard. Hop. Le tout, c'est que vous ayez un morceau qui part de la plante. Voilà. Hop là. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de gravier là. J'espère qu'il y a tout qui, il y a tout qui tient, j'espère. Sinon, on verra. Hein. Si ça s'envole quand je vais mettre l'eau. C'est que je me serais foirée. Voilà. Donc ici, concrètement, on a un petit espace. On va mettre une autre plante juste ici, je pense. Vous allez voir. Et là, du coup, on a tout l'espace aussi. Donc, je vais juste les pousser comme ça. Et voilà, on est reparti, les amis. Du coup, des plantes de taille moyenne que j'aime particulièrement. Donc on a celle-là. Vous allez la voir mieux tout à l'heure quand je vais l'ouvrir. C'est une Alternanthera rosaefolia. Des Alternanthera, elles ont tendance à monter bien comme il faut. Il en existe plusieurs sortes. Vous avez des rouges, des oranges, des vertes foncées, des vertes claires. Les vertes sont plus solides que celles qui sont rouges ou oranges. Celle-là, c'est une rouge. Je la voulais absolument. C'est une rosaefolia, du coup. Je la voulais absolument. J'adore les Alternanthera. Mais où est-ce que j'ai mis mes ciseaux ici? Mais le problème de ces plantes, c'est que comme je vous ai dit, soit elles se plaisent dans votre aquarium, soit elles ne se plaisent pas du tout. Donc ça, j'espère qu'elle va bien se plaire. Elle n'était pas... Non, ça va, elle était à moins de 3 euros, 2,99€. Ça va. On va la sortir. Et elle a des petites... Elle est en train de fleurir, celle-là. C'est pas forcément une bonne chose. Je vais essayer de vous montrer... oui, les plantes aquatiques, elles sont pas forcément que aquatiques, elles peuvent aussi survivre, pas toutes, hein. Mais certaines peuvent survivre à l'extérieur, et là vous voyez ici, elle est en train de fleurir. Alors chez les plantes aquatiques comme ça, qui se divisent en général par clonage, hein, on coupe un bout puis ça refait les racines, ces fleurs, ça s'appelle, ça porte pas, c'est pas floraison, ça porte un autre nom, c'est des fausses floraisons en fait. Je crois que c'est des enfloraisons, je sais plus. Bref, moi, je suis pas botaniste. Hop, petit pot. On enlève le perlon. C'est le perlon, c'est comme un peu une laine de roche en fait. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas agréable à toucher. Hein. Enfin, c'est le perlon, la laine de roche. Je sais pas trop ce que c'est exactement. Il me semble que c'est du perlon, je suis pas sûre. Bref. Hop là. J'essaye de. Je sais pas si. Ok. Cadrage sur 10 milli. Hop là, hop, j'essaie d'enlever ce que je peux, hein. Mais celle-là, elle est vraiment bien, bien prise. Je veux pas non plus trop abîmer ses racines.
Elle a des belles racines, mais elle est en train de fleurir en fait. Les plantes qui fleurissent comme ça, même si c'est des fausses floraisons, si vous coupez les racines, en fait, elle risque de dépérir. Parce que là, en fait, elle est en train d'envoyer toute son énergie aux fleurs, même si ce sont des fausses fleurs. J'ai la pchite. Voilà. Bon, un truc que je fais pas forcément, mais qu'il faudrait faire, c'est mouiller ses mains pour travailler avec les plantes aquatiques. Après, j'ai toujours les mains un petit peu humides. Mais tout ce que je touche, celle-là, elle est prise aussi dans le... Donc ici, on a une plante qui a des feuilles qui sont relativement fuselées. Ici, et on n'a pas de racines, donc c'est vraiment de la bouture, ça, de la bouture toute fraîche. Ça, c'est une plante qui s'appelle l'Echinodorus bléhéry bunch. Hop. Et l'autre que j'ai galéré à sortir, c'était la deuxième. Elle n'est pas très jolie, j'espère qu'elle va prendre celle-là, franchement. Parce que je la trouve très belle de base. Vous voyez, elle est plus petite, celle-là, que l'autre que je vous ai montré juste avant. Et elle a des feuilles qui sont légèrement arrondies sur le dessus. Elle a une feuille là qui est pas très loin. Et en fait, cette feuille-là ici, elle était prise. Je sais pas si je peux vous montrer. Vous voyez, ici, elle est toute sèche. Elle était prise dans le nœud qui a été fait de l'emballage. C'est dommage. Et c'est la deuxième qui a été prise aussi dans le nœud. Bon, c'est pas grave. J'ai réussi à la sortir, à couper le nœud et à la sortir sans trop la blesser. Ça, ici, c'est une... Ah non, pardon, excusez-moi. Ça, c'est l'Echinodorus bléhéry bunch, celle qui est ronde. Et celle de tout à l'heure, qui est moins ronde, qui est vraiment fuselée. Je sais pas si vous voyez la différence. C'est un petit peu compliqué ici de voir la différence. Mais celle-ci, c'est une Nomaphila siamensis bunch. Voilà. Je les pchite. Voilà, j'assure qu'elle soit bien mouillée. Et donc celle-là... Oh, mais c'est pas vrai. C'est faux. On a un poisson. C'est une mouche qui a décidé de rentrer dans l'aquarium. Je vais les placer, je vais retirer cette habitante non voulue dans mon aquarium. Ok, on est reparti. La mouche va bien, vous inquiétez pas pour elle, si jamais vous vous inquiétez pour la mouche. Donc on va commencer par planter la rouge. Hein. Comment elle s'appelle? L'Alternanthea rosafolia. Voilà. Donc je vais la mettre dans le bordel qu'il y a sur le côté. Le problème, c'est qu'il faut que je pousse le bordel qu'il y a sur le côté. Ajouter un petit peu de sable devant. Si possible, derrière. Ça va pas être facile derrière. Tombe le sable. Pauvre plante. Voilà. Un petit peu galéré, mais c'est pas grave, tout va bien. Moi, je vous disais, je voulais vraiment un coin de l'aquarium qui soit vraiment super bien planté. Là, je suis super contente du résultat. Alors, on va mettre celle-là, elle risque d'étouffer là-bas. On va mettre celle-ci du coup dans le trou que j'ai fait ici entre la bacopa et la fameuse l'Isimanchia, là, celle qui a les formes de petits cœurs. Hop là. Donc ça, c'est une bouture, hein, elle a pas les racines encore. Elle va tarder à bouturer, je pense. Ça, c'est une plante qui fait des petites racines, si je me souviens bien. Elle va pas embêter la bacopa qui est à côté. Hop. Il me reste une tige. Ok, et il me reste maintenant du coup cette plante-là. Que je vais mettre juste là devant la bacopa ou plutôt par ici. Plutôt par ici. Par ici. Ouais, celle-là, c'était une des plantes que j'ai prises en mode. Je la trouve trop belle, elle n'est pas très chère.
Je la prends quand même parce que en fait j'ai pris deux plantes parce qu'elles étaient à 2,50 € quelque chose comme ça et je les trouvais super jolies que j'en avais jamais eu encore et que je voulais trop les tester. Mais en vrai j'avais déjà suffisamment de plantes pour peupler mon aquarium. Je me suis fait plaisir, hein. Franchement ça fait... Je vais pas vous mentir que ça fait littéralement je pense 10 ans que je me suis rien acheté. Donc ça c'est mon petit plaisir, voilà. Donc voilà, on a déjà un aquarium bien planté, alors ça ressemble à rien, parce que la plupart des plantes retombent sur elles-mêmes à l'heure actuelle. On va passer du coup à la suite. Du coup, hop, je retourne un petit peu par ici, direction la bassine. Donc ici, une de mes plantes favorites, les Anubias. Alors les Anubias, c'est vraiment une plante, j'en ai eu pendant des années et des années. Dégoûtée en fait j'ai commencé l'aquariophilie plutôt parce que c'est pas un aquarium que par lequel j'ai commencé, je commençais par un bassin avec des poissons rouges tout simplement, hein. Pas des carpe koi, des poissons rouges, donc l'anubias, hein. C'est une anubias nana echo, elle a des petites feuilles. Moi ma préférée c'était pas celle-là, c'était pas la petite feuille, il y en a une autre qui a des grosses feuilles qui font vraiment des formes de cœur, il y en avait plus disponible, je suis un peu dégoûtée mais c'est pas grave. J'ai vraiment commencé avec un aquarium, avec un bassin, pardon. Mes poissons rouges ont fait des bébés, ont fait des œufs. Les poissons rouges ont tendance à manger leurs propres œufs, donc j'ai retiré les œufs du bassin et je les ai mis, littéralement, j'avais rien, hein. J'étais petite, je devais avoir 7 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et je l'ai mis les œufs dans un pot pour faire la confiture, un pot bonne maman. Faire la confiture. Ils ont éclos au bout de 2 jours. Et je me suis retrouvée avec une tripotée d'alevins que j'ai gardé mais des années, des années. Et en fait, bon, au bout d'un moment, le pot à confiture, il est sympa. Bonne maman, elle est sympa aussi. Mais bon, ça commence à devenir un petit peu gros au bout d'un moment. Donc mon père m'a gentiment offert mon premier aquarium. Et c'était un petit aquarium de 50 litres, plus grand que celui-là, et surtout carré. Vous voyez, celui-là, il a les bords découpés et tout, il a une forme sympathique. Bah, à l'époque, c'était en 96, 97, je sais plus gros, trop. La plupart des aquariums étaient que des aquariums carrés. Là aussi, c'est mon deuxième coup de cœur. C'est une plante qui se répand au sol, qui s'appelle la... Là, 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 l'hydrocotyle tripartita. Voilà, elle peut monter aussi, mais elle est vraiment faite pour buissonner le fond. C'est un peu un gazon en fait. Et je la trouve juste extrêmement jolie. Apparemment, elle n'est pas fragile, mais au toucher, elle semble fragile. Hein. Donc, je vais y aller tout doucement. Voilà, donc la deuxième petite plante. Et la troisième plante qu'on va voir. Hop là, la troisième petite plante, c'est la première fois que j'en ai de ça. Ça s'appelle l'Hemianthus calitricoïde. Voilà, l'Hemianthus avec un H. C'est trop marrant, j'en ai jamais eu. Et je me demandais vraiment si ça allait donner quoi. Franchement, elle était pas chère, elle était à 2,99 € et elle a des toutes petites feuilles. C'est trop trop chou, j'espère pas l'abîmer en enlevant le perlon, je vous avoue. Même eux, je crois qu'ils ont eu un petit peu peur parce que le perlon, il va pas jusqu'en bas. Ouais, ils ont économisé du perlon, je ne sais pas, peut-être. Ils ont bien eu raison. Ça m'a l'air d'avoir des toutes petites racines, franchement, je sais pas comment je vais la planter, celle-là. Autant je pense, quand on a des pinces pour pouvoir planter, donc les pinces d'aquarium, pour planter les plantes, elles sont très très longues et fines. Quand on a ça, je pense que c'est beaucoup plus facile qu'avec ses gros doigts. Regardez cette petite touffe de racines, c'est trop trop chou. Voilà. Donc ça va être nos petites plantes. J'ai une dernière plante, je vous la montrerai à la fin. Hop. Hop, hop, hop. Je pipite un petit peu ce gazon. Ça m'a l'air solide comme gazon. Donc oui, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, l'Anubias. Donc l'Anubias, franchement, si jamais vous avez un petit aquarium que vous voulez tester l'aquariophilie, c'est la plante que je vous recommande d'acheter. Avant, elle était vendue plus chère que les autres plantes pour une raison très simple.
Elle a une feuille extrêmement solide et elle se développe par rhizome, un petit peu comme les fraisiers ou la menthe. Du coup, vous coupez ici, vous voyez. Vous coupez juste ici. Ça vous fait un pied. Vous coupez ici, ça vous fait un autre pied. Vous coupez ici. Et ça tient super bien. Ça peut même tenir, il me semble, dans des eaux à 18 degrés. Donc, pas de souci. Je vais la mettre... je vais la mettre devant la bacopa, celle-là. Pour cacher un petit peu... Hop, l'entrée de la fausse racine. Hop, voilà. Pour enterrer le rhizome, c'est pas un souci normalement. Si je vous dis. Alors ça, les personnes qui font de l'aquascape. L'aquascaping, je vous ai pas expliqué c'était quoi. C'est un peu de l'art. Alors moi, je vois ça comme de l'art. C'est vraiment le fait de d'essayer de reproduire des paysages avec ce qu'on a avec les plantes aquatiques et tout. Et du coup, les gens s'amusent à mettre des racines, à coller de la mousse de Java dessus pour faire des feuilles et que ça ressemble à des arbres et tout. C'est magnifique. Ok. La petite... mon petit coup de cœur, là. Là, l'hydrocotyle. Je vais la garder. Je sais pas si vous voyez, mais genre... les racines sont très très fines et j'ai peur de l'abîmer. Du coup, je vais la garder vraiment ensemble comme ça et je vais la mettre juste devant, juste là. J'espère que ça va aller parce que franchement, elle est vraiment super fine. Hein. Hop là. Voilà. On va voir ce que ça va donner. J'espère qu'elle va s'enraciner. J'aimerais bien qu'elle s'enracine vers le fond plutôt qu'elle monte. Mais bon, on verra bien. Et ensuite, le petit gazon. Le petit gazon. Je vais le diviser. Je vais en mettre un petit peu partout. Je vais pas trop le diviser parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas de pinces d'aquascaping. Donc, je peux pas me permettre de planter des racines toutes petites. Je vais en mettre une un petit peu derrière. Ici. Voilà. Alors, j'ai pas pris de mousse. C'est vrai que c'est la mode, les mousses, en ce moment. Ça coûte horriblement cher. Ah, c'est trop marrant. Non. Je pensais qu'il y avait des nodules. Un peu comme les légumineuses. Mais non, en fait, je me suis trompée. Je vais enlever ma bassine devant vous. Elle est magnifique, ma bassine, je le sais, mais bon. Vous avez envie de voir le reste aussi. Ok. Je vais essayer de mettre ça ici. Juste devant le petit pont. Je fais la fausse racine. Peut-être un peu plus par là, parce que je pense que les poissons risquent de passer dans ce trou et de me les déraciner. Hop. Alors, vous verrez pas les poissons aujourd'hui, hein, parce que l'eau, c'est un cycle. Vous devez le savoir, j'imagine. Vous ne devez pas savoir c'est quoi exactement le cycle dont je parle. Vous savez, l'eau, ça pleut, ça s'évapore, ça repart, etc. Ça pleut, etc. C'est pas ce cycle dont je parle, hein, c'est le cycle de l'azote. L'azote, c'est un composant que vous avez dans l'air, que les plantes utilisent pour faire leurs feuilles, notamment leurs feuilles, leurs racines, toute leur partie dite structurelle, c'est de l'azote. J'utilise aussi du phosphore et du potassium pour fleurir. Mais on en utilise beaucoup moins. Ce cycle de l'azote, il est obtenu par la décomposition en grande partie, qui va créer des nitrates. Et si vous laissez les nitrates trop longtemps macérer, ça crée ce qu'on appelle des nitrites, c'est extrêmement cancérigène. Pour nous, pour les poissons, pour tout le monde. Hein. Les nitrites, c'est pas bon. Donc, là, ce qui va se passer dans cet aquarium, c'est une petite racine que je vais mettre là. Dans cet aquarium, je vais mettre de l'eau. Et les plantes vont commencer à grandir. Et en grandissant, elles vont perdre certaines feuilles. D'ailleurs, dès le début, elles vont probablement perdre quelques feuilles et tout. Ça va tomber dans le bas de l'aquarium. L'aquarium va donc du coup... ça va commencer à fermenter, à créer ces fameuses nitrates, nitrites, etc. Et si je mets des poissons maintenant, en fait, ces nitrites vont créer une bombe d'azote. Et ça va littéralement tuer tous les poissons en un coup. Ça s'appelle... je sais plus comment ça s'appelle.
Bref, ils suffoquent dans l'azote, les poissons. C'est vraiment pas fait pour eux. Donc, les aquariums, quand vous les faites, vous les plantez, vous faites votre décor, etc. Vous mettez votre eau. Et une fois que c'est fait, vous attendez... alors, il y en a qui disent 30 jours. Honnêtement, attendez 40 jours avant de mettre des poissons dedans, que le cycle de l'azote ait commencé à se faire. Vous allez voir apparaître des petites algues à un moment donné, puis les algues vont disparaître. Et quand les algues ont fini de disparaître, là, ça veut dire que le cycle, il est fait et vous pouvez y aller. Vous pouvez rajouter, si vous voulez, des petites bactéries dans le filtre. Alors, le filtre de la pompe que j'ai pas encore. Vous pouvez acheter des bactéries, ça coûte relativement cher. Je crois que c'est 10 à 16 euros, je crois, le flacon. Et vous mettez ces bactéries qui vont du coup dégrader ce fameux azote pour le rendre, pour faire autre chose avec. Vous pouvez les mettre dans... Et en fait, on vous explique que si vous mettez des bactéries, vous pouvez attendre juste 10 jours. Et c'est bon, là, vous pouvez mettre vos poissons. En vrai, ça m'est déjà arrivé d'avoir des accidents dans ce genre de cas, notamment avec des poissons très fragiles. Donc, je vous recommande vraiment, vous attendez, les amis, au moins 30 jours avant de mettre des poissons, voire même 40 jours. Bon, moi, c'est pas compliqué. Avec ce que ça m'a coûté, toutes ces plantes et le matériel, je vais attendre 40 jours. Ça, c'est sûr. Ok. Eh bien, écoutez, les amis, on a notre aquarium. Il est parfait. J'ai juste fiché un petit peu les plantes. Voilà. Et maintenant, c'est parti pour le remplissage. Il me reste encore une dernière plante que je vous montrerai à la fin. C'est la première fois aussi que je fais cette plante. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que ça va aller. Donc, hop là, je vais vous mettre ici. Et je vais essayer de remplir le plus doucement possible pour éviter bien évidemment de déraciner les plantes que je viens péniblement de remettre dans mon sable. On va commencer déjà par la bouteille d'eau, notre ami. Et là par contre je vais faire la technique de l'assiette. On va faire la technique de l'assiette mais transformée, on va faire la technique du verre, les amis, parce que j'ai pas envie de salir une nouveauté. Je vais utiliser le verre que j'ai utilisé pour le sable. Hop là. Voilà. Parfait. C'est parti. Là maintenant, le but, ça va être que je vise le verre et pas à côté, sinon ça va être un carnage. Let's go. Souhaitez-moi bonne chance. Et voilà les amis, alors j'ai fini de remplir l'eau sans vous parce que c'était extrêmement galère pour pouvoir avoir absolument toute l'eau nécessaire en fait pour remplir ces 30 litres. Il a fallu que je, depuis plusieurs jours, que je mette l'eau de ma filtreuse de côté dans des seaux. Et en vrai, les seaux d'eau, c'est pas très pratique pour remplir, hein. C'est un petit peu violent. Et j'ai réussi, j'ai ces plantes qui se sont déracinées un nombre incalculable de fois. Les plantes derrière qui se sont déracinées aussi, j'ai rajouté du sable ici. Là, elles se sont déracinées, j'ai essayé de les déraciner. Mettez des guillemets à déraciner parce qu'elles n'ont pas de racines, c'est des boutures. Donc, elles sortent toutes seules un petit peu trop. Du coup, c'est pour ça que vous les voyez un petit peu emmêlées. J'ai pas pu trop les démêler, pareil ici. On va attendre qu'elles prennent correctement racine. J'ai réussi par contre à démêler celle-ci là, qui est magnifique. Elle est trop trop belle. Voilà, le gazon, pas de souci. Il est bien resté en place. Elle est déjà en train de commencer à tapisser tout. Franchement, je suis trop contente. Les bacopas derrière qui sont... Ils sont un petit peu emmêlés aussi. Je vais essayer de faire un plan dessus. Voilà. Ils sont un petit peu emmêlés, mais comme les plantes juste à côté, comme je vous expliquais, il n'y a pas les racines. J'évite de toucher là. On va attendre qu'elle fasse ses petites racines et dans une semaine, je viendrai les démêler s'il y a besoin. Normalement, avant de se démêler toute seule. C'est pas grand chose. Voilà. La petite Anubias ici, je l'ai un petit peu changée de place parce qu'elle était. Là, j'ai changé de place et que j'ai changé d'orientation. Voilà. Elle, la plante derrière, quand elle va raciner, elle va se redresser et elle va lui laisser un petit peu de lumière. Elle n'a pas forcément besoin de lumière, la Nubias. Il y en a qui la mettent en ce qu'on appelle en épiphyte. En fait, ils l'accrochent avec du fil de pêche sur du bois et ils la mettent hors sol. Moi, je préfère les mettre en sol. De toute façon, avec le rhizome qu'elles font, en fait, elles ont tendance elles-mêmes à remonter au bout d'un moment sur l'obstacle qu'elles vont avoir à côté. Voilà. Bah, écoutez, il me reste encore une dernière petite plante à mettre, je trouve trop beau. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent les aquariums pour les animaux. Moi, j'adore les aquariums pour les plantes. J'adore aussi les poissons, mais les plantes, c'est aussi un truc qui est trop trop bien. Allez, je vais vous reposer.
Et du coup, la dernière chose que je voulais grave mettre, j'espère que ça ne sera pas une erreur, c'est des lentilles d'eau. J'en ai absolument jamais mis dans mes aquariums. C'est la première fois que j'en achète. Ils en avaient deux catégories qui n'étaient pas très chères sur Aquaplante. Ils en avaient des comme ça qui sont assez grandes. Je sais pas si vous allez bien les voir, vous les verrez tout à l'heure quand elles seront dans l'eau. Mais elles sont assez grandes celles-là et vous en avez des plus petites. Celles-là, ça s'appelle des Salvinia Nathan. Voilà. Je vais les ouvrir. Honnêtement, j'en ai jamais eu. Bon, c'est plutôt cool que j'ai pas de filtration dans un premier temps parce que ça m'évitera d'avoir du coup les lentilles qui vont dans tous les sens et surtout sous l'eau. Elles ont besoin d'être en extérieur, hein. Pas sous l'eau. C'est trop chelou. C'est extrêmement chelou. Regardez, ça a des petits poils. C'est trop mignon. Bon, bah écoutez, je vais enlever le capot de l'aquarium. On va essayer de faire ça une main. Ok, bon. Hop. Donc, vous voyez, celle-là, elle est vraiment... Elle est super... Elle monte déjà tout en haut. C'est trop, trop bien. C'est ce que je voulais. Je voulais qu'en fait, au-dessus de mon aquarium, ici, les plantes puissent monter pour peupler et voire même monter au-dessus. Donc ici, là, j'ai le capot. Vous l'avez vu ici. Hein, la lumière, elle est dégueulasse. Je vais l'enlever, ce capot. Et je sais pas si j'y mets quelque chose dessus ou pas. Honnêtement, j'ai un petit doute ici. Vous verrez ça plus tard quand j'aurai reçu l'équipement. Mais ici, en fait, j'ai un gros rebord. Vous allez le voir plus ici, en fait. Vous voyez ici, je sais pas si vous voyez, il y a un gros, gros rebord. Ça, j'ai pas réussi à l'enlever. Je sais pas si c'est collé ou si c'est juste emboîté très fortement. Mais j'arrive pas à enlever cette armature. Elle est vraiment super bien mise. Le problème, c'est que j'ai acheté une pompe, en fait, qui va venir se mettre normalement comme ça. Donc, je sais pas si elle va avoir l'écartement nécessaire pour ce truc. Et pareil, j'ai une lampe qui va venir se mettre ici. Et je sais pas si elle va avoir aussi l'espace qu'il faut. En tout cas, je sais pas si je vais le recouvrir ou pas. Les poissons que j'ai sélectionnés sont pas des poissons qui ont tendance à sauter. Mes chats viennent rarement dans la cuisine et je les imagine mal aller dans l'aquarium en particulier. C'est des mauviettes. À l'époque où j'avais mes aquariums, j'avais des rats. Les rats aimaient bien aller boire dans l'aquarium. Je sais pas pourquoi. Ma chienne, en tout cas, elle monte pas sur les meubles. Donc ça serait vraiment pour les chats que je voudrais peut-être éventuellement mettre une grille dessus. Mais si je mets pas une grille, les plantes, en fait, elles pourront se lever, en fait, au-dessus de l'eau pour celles qui en sont capables. Et du coup, avoir une partie aérienne. Et il faut savoir que la plupart des plantes aquatiques, les parties aériennes, elles ont tendance à fleurir et c'est magnifique. Voilà, après, sinon, je peux mettre mon petit potos là à côté, mais bon, pas forcément plus envie que ça. Allez, on était donc parti sur les lentilles. Je sais pas si je les mets comme ça. Alors, ça me fait chier parce que je mets un petit peu d'eau qui ne m'appartient pas. Il n'y a pas forcément les mêmes constantes que moi, hein, forcément. On a tous des eaux différentes. Mais voilà, j'essaie de faire ça comme je peux. Allez, vas-y, descends. Franchement, respect à ceux qui font des vlogs H24. Je sais pas comment vous faites, les gars. Allez, descends. Bon, les récalcitrantes, il y en a 3-4, je les verrai après. Voyons voir. Oh, elles sont magnifiques. Elles sont trop, trop belles. J'adore. Ça, c'était... Je vais pas vous mentir. Hein, avoir des lentilles comme ça, c'était un rêve d'enfant. C'était vraiment... J'ai toujours rêvé d'avoir des petites lentilles d'eau. Je trouve ça magnifique. Et je sais pas si je peux réussir à faire un plan de coupe un petit peu mieux. Alors, on essaye de les répartir un petit peu. Comme il n'y a pas de courant pour le moment, si elles sont pas toutes dans l'eau, ça risque d'être problématique. Hop, elles se tiennent celles-là. Elles se tiennent, donc je vais les laisser ensemble. Hop là. Donc voilà, sachez que j'ai sélectionné, pour ceux qui se posent la question, une lampe qui a une bonne luminosité, des LED blanches et des LED rouges. Donc j'ai bon espoir que la luminosité aille jusqu'en bas de mon aquarium, malgré le fait qu'en haut, ça va être bien fourni au bout d'un moment. Déjà, les lentilles, ça va bien fournir, mais les plantes ici qui sont sur le côté, elles vont aussi monter et bien coloniser. Donc ça va être vraiment la foire à la saucisse ici. Mais c'est ce qu'on veut, hein, c'est ce qu'on veut. Hop, on essaie de récupérer les récalcitrantes. Voilà. Non. Mes belles lentilles. Vous imaginez pas, j'en ai rêvé, mais j'en ai tellement rêvé d'avoir des lentilles. On a tous des rêves bizarres, hein. Voilà, parfait. Oh, je suis trop contente, je suis trop, 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 trop contente. Vous imaginez même pas à quel point je suis trop contente de cet aquarium.
Et voilà du coup les amis, en tout cas l'aquarium bah, il est fait, donc je vais attendre d'avoir les équipements et tout pour pouvoir bah, en fait vous faire une autre vidéo éventuellement installation de l'équipement, je sais pas. Bon c'est mon premier, mon tout premier vlog, je suis pas sûre qu'il soit extraordinaire. En vrai aussi je pense qu'il est pas du tout extraordinaire, on va pas se mentir, hein, il est bon voilà, c'est une petite passion que j'ai. Dites-moi en tout cas dans les commentaires si vous aimez bien avoir ce genre de vidéos. Je vous promets pas d'en faire toutes les semaines, hein. Je vous rappelle quand même que le but de la chaîne c'est les jeux vidéo, c'est pas les poissons ni le potager, même si c'est des passions que j'ai aussi. Donc voilà, je suis trop contente. Il me tarde de faire ça, franchement, les triops. Oui, si jamais vous me demandez à acheter des triops, pourquoi elle aimait pas, si elle les a, etc. Les triops, et comme les artémias, comme je vous disais, c'est des animaux qui viennent, hein, que vous avez, avec des œufs qui sont séchés. Et en réhydratant les œufs éclosent. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est des crustacés qui vivent dans des endroits où il fait sec une partie de l'année. Et du coup, les flaques d'eau dans lesquelles les parents pondent, en fait, quand il y a de l'eau, ça sèche. Et ils passent du coup toute la saison sèche, ben, en fait, au sec, dans leurs œufs. Et arrivé à la saison humide, ben, en fait, ils éclosent. C'est des animaux qui vivent 90 jours, donc 3 mois. C'est pas très long. J'espère en tout cas que le kit que j'ai acheté, ils vont pouvoir éclore, parce qu'en vrai, j'ai lu pas mal de trucs sur internet comme quoi ça éclosait pas, etc. Mais après, je comprends, parce que c'est... les triops, quand je vous dis... Mais va-t'en la mouche. La mouche. Des questions. T'as une question? Non. Bon, ok. Faut que je me débarrasse de ces mouches. Je sais pas ce qu'il y a à foutre, là, tout d'un coup. Ça fait 2 jours qu'on a que des mouches. Ces animaux-là, en fait, ils ont des conditions d'élevage qui sont très particulières. Et dans le kit, ils n'expliquent pas les conditions d'élevage. Mais les gens sur Internet, notamment sur Amazon, expliquaient qu'ils avaient soit pas reçu les œufs. Moi, je les ai, les œufs. Hein. Je les ai. Ils sont extrêmement petits, mais je les ai. Ils expliquaient aussi que ça n'éclosait pas. Sauf que, en fait, ils expliquent pas dans le kit qu'il faut les mettre à plus de 26 degrés. Donc, j'imagine que s'ils éclosent pas, c'est pas parce que les œufs sont pas bons. Bonjour, la mouche. C'était pas parce que les œufs sont pas bons, je pense que c'est parce que les degrés dans le petit bac là qu'ils ont mis, qui est un bac d'éclosion, ne sont pas bons. En tout cas, j'ai trop hâte de faire ça les amis, je vais laisser l'aquarium du coup cycler. On a dit donc du coup une trentaine de jours, voire 40 jours pour que tout se fasse. Là c'est tout beau, hein, vous inquiétez pas, c'est tout beau dans les premiers jours. Mais au bout de 2 semaines, ça va devenir dégueulasse, c'est normal, vous laissez faire. Et au bout d'un moment, ça va redevenir magnifique. Et là, ce sera bon, on pourra mettre les poissons. En tout cas, je vous reprendrai à ce moment-là. J'espère les amis, en tout cas, vous avez apprécié ce petit vlog. On va se poser, regardez-moi, sur ce petit gazon avec notre petite Anubias. Incroyable. Hop là, je vous fais un beau plan. Voilà. Allez les amis, je vous remercie encore une fois d'être encore là à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne pour voir surtout des vidéos de jeux vidéo et non pas de vlog. Dites-moi du coup tout ça dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous et à la fois prochaine les amis pour d'autres aventures dans le super aquarium de Milly. Yay! Oh purée, c'est trop beau. Oh j'adore. Je suis fan. Vous avez vu mes lentilles? Elles sont trop belles. Ha ha ha.